Bonjour, live matinal. Non, pas très tôt, parce qu'il est quand même presque 11h. Live du matin aujourd'hui, en direct du petit jardin, pour vous partager et vous encourager à cultiver l'énergie de votre rêve dans le présent, dans le quotidien. Donc bienvenue pour les personnes qui arrivent ici. Je suis Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur, et j'accompagne les femmes essentiellement, mais aussi des hommes, à sortir leurs rêves des poches pour vraiment les réaliser et avoir le bonheur de se dire waouh, c'est possible, je l'ai fait, et de pouvoir en faire d'autres derrière, réaliser d'autres rêves. Donc pourquoi je vous dis, voilà, je vous invite à cultiver le bonheur, l'énergie de votre rêve dans la réalité. Actuellement, voilà, on est en période de canicule, il fait très chaud. Donc ce matin, j'étais levée très tôt. Enfin, très tôt. J'étais levée à 7h, j'étais réveillée naturellement à 7h. La maison a été ouverte toute la nuit, non-stop, bon, à part la porte d'entrée qui était fermée quand même. Mais sinon, voilà, comme c'est un système, ce sont des petites cours intérieures, il n'y a pas de. Enfin, il y a vraiment très 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 peu de risques qu'il y ait quelqu'un qui s'introduise dans la maison comme ça, sauf à passer par le toit des voisins. Et donc j'ai laissé rentrer toute la fraîcheur dans la maison. Et dès que j'ai vu le thermomètre intérieur prendre 0,5 degrés, j'ai tout refermé pour garder la fraîcheur dans la maison. Et je me suis dit, bah ouais, mais je veux pas rester dans la maison ce matin quand même. Je suis en direct, enfin je suis en séance mastermind avec mes collègues Nikki Jett, avec ma mentor Nikki. Je me suis dit, bah, tiens, je vais m'installer le lit de soleil dehors, je vais installer la petite table à côté, mettre l'ordinateur sur la petite table, et puis voilà, m'installer mon petit truc cocoon, cool, voilà, pour ce moment de travail. Parce que c'est comme ça que j'ai envie de pouvoir travailler de plus en plus à l'avenir, c'est-à-dire pas forcément être dans un bureau avec une chaise, avec un protocole strict, etc. Voilà, j'ai envie de pouvoir faire, de pouvoir travailler comme voilà, comme ça, en étant voilà, sur mon lit de soleil, avec la bouteille d'eau, la tisane, l'ordinateur, et puis que ce soit aussi efficace. Voilà. Et donc voilà, c'est ça que je souhaitais vous partager. Et justement, dans cet esprit-là, comme ce week-end, je vais naviguer, donc je vous ai mis un post, hein, je vais naviguer pour la deuxième fois de ma vie en mer. Donc voilà, mon chéri est déjà parti, c'est lui qui a pris la photo que j'ai postée. Mon chéri est déjà parti, le bateau a été mis à l'eau lundi soir. Bonjour, je vois qu'il y a du monde qui arrive, bienvenue sur le live. Donc le bateau a été mis à l'eau lundi soir pour qu'il puisse naviguer avec trois autres bateaux et les équipages. Alors c'est des petits bateaux, hein. Nous, celui de mon chéri fait 5,50 m et les autres sont un petit peu plus grands, ils font 6,50 m. Et on va naviguer en fait le long de la côte, côté de la Turballe, Piriac et peut-être justement les îles de Wight et Eadick, sur lesquelles je ne suis jamais allée. Et donc comme je souhaite développer mon activité comme ça, en étant nomade et en pouvant faire du bateau, entre autres, ou de la moto ou autre chose, eh bien j'ai décidé de vous offrir. Donc j'ai mis sous le post aux deux premières personnes qui commenteront le mot bateau et qui ont envie de mettre les voiles, de faire décoller leurs rêves, eh bien je vous offre 20 minutes de temps où on pourra parler de ça, où vous pourrez me dire quel rêve vous avez envie de développer. Je vous poserai juste quelques questions pour voilà, comment dire, encadrer ce temps. Et je vais le faire donc à partir soit du bateau, soit des îles. On va voir suivant comment ça va être. Parce que quand on est en voilier, eh bien, on fonctionne au rythme de la mer. Parce que c'est la mer qui décide, évidemment, de l'emploi du temps. Donc je ne peux pas trop pour l'instant donner d'horaire précis. Voilà.
Si vous vous sentez appelé à profiter de ça, eh ben, vous commentez. Et donc, les deux premières personnes, les deux premiers commentaires qui seront sous les posts, eh bien, voilà, vous gagnez ces 20 minutes. Et on fera ça ce week-end, donc samedi ou dimanche. Voilà, et bien sur ce, je vais aller déjeuner un peu avant de prendre voilà, la deuxième activité. Et je vous souhaite de bien cultiver cette énergie de vos rêves. C'est ce qu'on fait hein, quand je travaille au niveau des accompagnements que je propose. Il y a une partie justement où vraiment on cultive cette énergie, c'est-à-dire comment on sent quand le rêve est réalisé. Et donc là, voilà, je m'imagine, je suis sur mon transat. Alors, l'environnement est ce qu'il est. Je suis déjà très très contente de pouvoir profiter de ça comme ça. Évidemment, l'envie, c'est de pousser le rêve plus loin et de m'imaginer dans un autre cadre, avec une piscine, avec un parasol, avec de parfums de fleurs qui peuvent être sympas, etc. Du jasmin, chèvrefeuille ou même d'autres. Voilà, parce que je sais que les rêves sont possibles, les rêves sont réalisables, c'est déjà ce que j'ai fait. Et au plaisir de vous accompagner là-dessus. Allez, très bonne journée et à bientôt.